Et bonjour à tous, c'est une vidéo colis et hop là, c'est le Mortal Realms. Alors même si j'ai toujours du retard sur le par rapport aux versions kiosque, voilà, vu que j'ai continué les vidéos, je vous montre quand même les vidéos de ce que je reçois. 55, 54, un truc Hello Fresh, 53 et 52. Et on va voir rapidement ces numéros. Le 52. Donc la Horde Rakleshen. On peut voir ici une dizaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 socles. Avec donc tous les Rakleshen qui ont franchement toujours, toujours des gravures tellement fines. Franchement, une superbe collection. Donc, ça, des renforts pour 10 euros, ça vaut le coup. La 52, on va vite fait. Un seigneur Akilor, regardez le fascicule. Comme on l'habitude, les spectres sauvages, les esprits. Hop, les royaumes, Banshee, champion maudit, les royaumes, la croix spirale, donc ça c'est le background. Hop, le guide d'assemblage de la Rakleshen, avec tous les fils des couleurs, on commence vraiment à en avoir maintenant. Le guide de peinture, super, ça c'est très bien fait, c'est vraiment génial. Le royaume de bataille, très joli ça, avec le fond, regardez ça, superbe. Le tutoriel royaume de bataille avec la magie de royaume, décret de royaume, trait de royaume. Donc là, on peut commencer déjà à faire des trucs franchement super sympas avec ce qu'on a reçu de Mortal Realms. Shaman, royaume du métal. Shaman, tutoriel. L'éveil. Pareil, aussi un scénar. On est dans le duolé, on est dans le jeu. Avec une carte aussi. La fureur du Sigurn. Lente nuit et les éternels de l'orage. Et le royaume s'éveille, ça c'était pour le jeu. Et puis le 53-54 que l'on va découvrir tout de suite. On a un beau décor sur le 54, je vois. Le 53, c'est les numéros moyens parce qu'il y a juste deux pots de peinture. Je vais ouvrir tout de suite, comme ça je vais les ranger. Donc il y a le layer False Layer orange et une peinture de base, Mondfang Brown. Hop. Non, deux pots, mais comme il n'y a que deux pots, c'est pas rentable, du coup pour 10 euros, ils nous mettent quand même une fiche. Ici, le royaume du chaos, et ça va être intéressant. Avec, regardez, j'aime beaucoup ces fiches parce qu'elles sont très très jolies. Donc ça récupère le 10 euros en fait, de deux pots, regardez cette figurine. Superbe. J'aurais pu mettre des pinceaux aussi avec les deux pots de temps en temps. Slanesh. Le domaine de Slanesh, Nurgle. Il y a des illustrations de Foucorn, j'adore. Ici, Itzench. Donc voilà, pour la fiche, Royaume du Chaos. Et un petit tour rapide du 53. Le background, l'histoire, le rouge, avec l'œil de la tempête. Neferta, c'est la cité vivante. Superbe, regardez cette figurine magnifique aussi. La destruction, avec Gorka Morka. Les adorateurs de Gorka Morka. Les effets de peinture, de rouille. Donc là, on va utiliser ces deux peintures pour faire la rouille. Bien, moi, j'ai d'autres techniques, mais on s'en sort également avec la citadelle aussi. Moi, j'ai quelques pigments aussi pour faire la route. Hein. La rouille, pardon. Je vous montrerai ça sur des vidéos de maquettes. Hein. J'ai dû certainement déjà en montrer. Voilà, mais en bien diluant et en appliquant, voilà, vous pouvez faire de la rouille sur les chaînes, les côtes de maille. Ça va servir pour les lentes-nuits. Hop. Les chandeliers aussi. On peut faire des dégradés qui peuvent être intéressants. Les reprises, les réos. Là, il y a toutes les techniques. Hop, voilà. Reprise, réo. Je vais aller trop vite. Lentes-nuits terminée. Donc là, vous pouvez vraiment donner de la dimension à vos figurines du relief. Shaman, le royaume du métal. Là, on est dans le duolé, on est dans le jeu. Les traits du royaume. Percer les lignes, c'est vraiment un petit scénar, acier et sorcellerie avec les antennes et les éternels de l'orage, et percer les lignes, et le 54 et le 55 que l'on va voir tout de suite. Le 54, et quelque chose que j'adore, c'est le décor. Alors j'espère que vous allez voir à travers, ça c'est quelque chose que je vais faire également. Regardez les sculptures de fou. Regardez ça. Là on est franchement sur du superbe décor. Regardez la tête. Voilà. Comme d'habitude, hein, quand je les attaque pas, je les laisse sous plastique pour les protéger, pour ne pas les rayer. Et le 54, donc la ruine érodée.
qui vont être au sol, donc ça va être super sympa. Et justement, avec les pots qu'on a eu, on pourra faire un peu de rouille, de finition, destruction, les fils de Behemoth. Pas de Behemoth. Magnifique. Beating Gargant. Mordus Hammerhand. Les royaumes d'Olorum. On est toujours dans l'histoire. La quête de l'Eden Armor. Regardez ça, magnifique. La garde de Loris. La chute de Dolorin. La guerre et la vie. On est dans l'histoire. Ah, c'est bien avec une carte là. La grande corne. Les bancs de terre, l'ion de cataracte, la forêt qui marche, les collines lépreuses. J'aime bien moi les cartes. Guide d'assemblage des ruines. Bon là c'est simple. On les dégrappe, on pense un petit coup pour enlever l'ergot et puis poum, on les pose. Voilà. Et voilà qu'on va pouvoir même mélanger avec tous les numéros qu'on a eu. Donc regardez, on aura un résultat. On va de quoi faire un décor vraiment super sympa. La peinture. Le guide de peinture, très bien fait. Et là, on est dans le jeu charte de paysage, ruines érodées. Avec la carte des ruines, comment utiliser la charte de paysage. Un scénar de trésor et terreur. Toujours un butin mortel est dans la nécropole, on est toujours dans les scénarios, là, dans les secrets du Sigurn. Enfin, dans le Sigurn. Un butin dangereux. Et le 55 qu'on va voir tout de suite, et le 56 que l'on présentera en preview à la fin de cette vidéo. Le 55, une superbe figurine, bah justement Shaman, donc qu'on avait dans les scénarios. Donc ça, c'est l'envers de la grappe. Et voici l'endroit. Une superbe et imposante figurine. Regardez le détail ici. Elle peut paraître plus grossière, mais bon, vu qu'elle est grosse, c'est une grande figurine en fait. Il y a quand même des détails, hein. Regardez ça là, les détails, pardon, la précision. Là. Regardez là. Là, ça va être un sacré bonhomme. Voilà, la tête, elle est là. On va peut-être la faire assez rapidement, ça là, je verrai. Donc, Shaman, l'âge du chaos, l'éternel de l'orage. Armement, les hostes de l'orage, béni par Sigmar, les marteaux et masses, armes blanches, armes à distance, boucliers. On est toujours dans l'histoire avec la croix spirale, le guide d'assemblage, du seigneur Arcanum sur Dracolite Céleste, voilà la peinture, ombrez votre figurine. Des techniques, éclaircir votre figurine. On est vraiment sur des guides, c'est vraiment super bien fait et complet. Et peindre même le feu magique aussi. Figurine terminée. Pour le seigneur Arcanum. Sur son dracoline céleste. Donc là, ça affiche, on est dans le jeu. Le violet, tempête de magie, on est sur les scénars, tempête de magie. Et voilà, donc après, on aura donc sur le prochain colis, donc il y aura le 56, 57, 58, 59. Le 56, ça sera un chevalier, un personnage. Donc toujours à 10 euros, ça vaut le coup, hein, un personnage. Et des renforts, les sorts spectres partent en guerre. Et voilà donc pour ce colis numéro, je ne sais plus combien, vous l'aurez dans le titre. Le 52, des renforts, on peut y aller. Pour 10 balles, ça vaut le coup. Là, le 53, c'est un peu moins bien, il y a deux pots qui vont vous permettre de faire de la rouille. Mais il y a également l'affiche avec, donc pourquoi pas. Du décor sur le 54, superbe, et ici, et enfin, le Dracoline, là, superbe également sur le 55, 54, 55, j'espère que vous êtes tombé dessus, parce que ça vaut vraiment le coup, et puis moi, je vous dis à bientôt, dès que je reçois le prochain colis de Warhammer, et puis restez bien penchés, les autres vidéos vont venir, il y aura un peu de sport auto, un peu de tout, un peu de Gélios, Geek Hobbies, voilà, allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Take care. Ciao, ciao.